Le nom Marquis, c'est en hommage à un club londonien qui a accueilli les plus grands du rock. La musique, une affaire sérieuse pour Fred, le patron qui a ouvert ce lieu il y a 10 ans, après avoir tenu plusieurs établissements, dont une pizzeria. On avait une petite vie tranquille, hein, on ne travaillait pas trop le soir, on a élevé nos 3 enfants avec l'affaire qu'on avait au Lardin. Ici, c'était autre chose, c'était un cran au-dessus, mais c'était la passion, quoi. Et la passion, c'est un moteur. En semaine, le Marquis fonctionne comme un restaurant. Certains soirs, le lieu se transforme en club, avec repas uniques et concerts. Ce jour-là, c'est la première de la saison, c'est complet, après un arrêt forcé des lives pour cause de Covid. Ça fait 18 mois, ouais. On était en manque. On vient de Brive, et juste avant, on venait même de Tulle, sans problème. Même à 1 heure de route, on se déplace, c'est toujours de qualité. La qualité, c'est d'abord dans l'assiette. Fred a commencé sa carrière au Biblos de Saint-Tropez, un établissement de luxe. Menu du jour, poulet chasseur, petite sauce, vin blanc, oignons, champignons, avec gratin dauphinois. Tout est fait maison. Ce n'est qu'à la fin du repas que les amplis vont cracher leurs décibels. Sur la petite scène, Red Beans and Pepper Sauce, un groupe de Montpellier qui perpétue l'esprit des 70s. Un endroit comme ça, pour nous, c'est un peu le rêve. On est très proche du public, beaucoup plus que dans une salle de concert. Et donc, c'est une autre ambiance. Vous avez l'air de vous être bien amusé. Oui. C'est une soirée extraordinaire. Oui, c'est très sympa. Au Marquis, on vient régulièrement. Et c'est toujours convivial. Avec des super musiciens. Vraiment une belle surprise. C'est mon QG. Et Fred est très passionné. Donc, il nous transmet tout ça. Prochain rendez-vous musical au Marquis, le 31, avec Starman, un groupe de reprises de David Bowie. C'est complet pour le repas, mais il reste des places debout au bar.